Peggy 18. Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode plutôt court de Quantum Break puisque j'ai oublié hier de mettre la jonction dans l'épisode. Donc du coup, je vous avais dit la dernière fois sur la dernière jonction que c'est vous qui allez faire votre choix maintenant. Donc, je vais vous faire l'épisode de la jonction, on va voir les choix qu'on a à faire. Et je vous laisserai choisir pour l'épisode de demain, voilà tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Et puis voilà, hein. Bien sûr, vous pouvez laisser un pouce bleu, bien sûr. Bon, ça sera un épisode très court, donc vous avez le droit quand même de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne, bien sûr. C'est parti, on lance la jonction. Allons voir ce qu'on nous propose de faire comme choix. Et vous allez pouvoir donc choisir ce que vous avez envie de voir. Ça sera peut-être pas pour demain d'ailleurs, parce que j'ai... Alors, je vais vous laisser le truc, je vous explique juste à la fin de la vidéo, alors. Allons regarder. Alors, Sophia Maral, Martin Hatch. Ok. Cette chose qui grandit là, à l'intérieur de moi. Ça fait si longues années que j'essaie de la combattre. Le docteur Amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des chronons. Elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de ma maladie. Paul. Et Jack, il a osé me l'enlever. Comment est-ce que ça a pu arriver, Martin? Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever? Paul, c'est la maladie qui parle. Je suis dans votre camp. Du calme, ça va aller. Ils me l'ont enlevé. Et sans Sophia, je n'ai aucune chance de trouver un remède. On a fait le maximum. Mais certaines personnes au sein de Monarch veulent votre perte. Burke était la partie visible de l'iceberg. Mmh. Joyce n'a pas agi tout seul. Mmh. Monsieur, on a retrouvé l'ordinateur du docteur Amaral. Il est là-bas si vous voulez venir voir. J'arrive tout de suite. Il a pas l'air très très content, Paul. Hein. On peut se le dire, il a pas l'air super content de ça. Donc hier, j'avais peur qu'on ait fait la partie 3 dans la partie 2, mais apparemment non. Puisqu'on là, on nous annonce acte 3, partie 3. Je comprends pas le découpage. Hein. Je vous cache pas que des fois, le découpage, je comprends pas trop. Mais bon, on suit. Normalement, avec la jonction, on a... On a un choix à faire. Hein. À chaque fois qu'on a eu une jonction, on a eu un choix à faire. Donc, on va voir ce que ça donne. Les chargements sont hyper longs aussi. Les chargements sont longs, mais bon. Il n'y en a pas souvent non plus, quoi. À chaque fois, c'est au début de l'épisode. Après, ça se calme. Je veux vérifier les calculs de Sophia. Si elle a raison, la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipé. Vous connaissez le futur. Le docteur Amaral, non. Est-ce que la capsule temporelle est prête à être activée au moins? Elle essaie de vous convaincre que vous n'avez plus le temps. Pourquoi? Pour que vous vous hâtiez? Et que vous commettiez une erreur? Les traîtres dont je parlais, elles pourraient en faire partie. C'est impossible. Êtes-vous prêt à compromettre tout le plan à cause d'elle? Je vous en prie, repoussez l'activation, Paul. Laissez-moi faire le ménage, avant que tout ça ne nous échappe complètement. Que voulez-vous faire maintenant? Quelqu'un œuvrait à mon encontre. Quelqu'un de proche. Martha Hatch. Voilà la jonction. Voilà. On va faire confiance à qui? Je ne pouvais me fier qu'à l'un d'eux. Ok. Allons voir si on doit faire confiance à Amaral. Immédiatement. J'ai des informations sur Martha Hatch.
avait été mon bras droit depuis des années. Je commençais à me demander si je m'étais trompé sur lui. Sophia est loyale. Elle l'a toujours été. Je lui fais pas confiance. À la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerais qu'elle a déjà vu. Qu'elle sait à quoi elle sert. Les travaux de Sophia m'avaient sauvé la vie. C'était l'incarnation même de la loyauté. Voilà, on sait si on fait le choix de faire confiance à Amaral. Maintenant, si on fait confiance à Hatch. Allez, docteur, allons réparer cette machine. J'ai dit que j'allais essayer. Les preuves désignaient Sophia. Je ne pouvais pas me contenter de l'ignorer malgré tout ce que nous avions traversé ensemble. Elle savait que vous n'iriez pas loin sans le traitement. Et ensuite, elle vous l'a retiré. Si elle m'avait trahi avec tout ce qu'elle savait, elle pouvait causer des dégâts incommensurables. Voilà. Donc, vous avez votre choix. Soit on fait confiance à Amaral et donc on met Hatch en prison, blablabla, blablabla. Soit on fait confiance à Hatch et on met Sophia en prison et lalala, lalala. Voilà. C'est votre choix, ça va avoir un impact sur le jeu, les amis, hein, donc ne faites pas ça à la légère. Non, je déconne, faites ce que vous voulez. Dites-moi si vous préférez faire confiance à Maral ou préférez faire confiance à Hatch. Voilà. Sachant que Hatch, on l'a déjà vu dans Fringe, et Amaral, moi, je la connais pas du tout. Hein. Je sais pas qui c'est cette actrice. Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas donc à faire votre choix, mettez ça en commentaire, je ferai le tri, bien sûr. Bon, généralement, j'ai pas beaucoup de tri à faire, hein, vous inquiétez pas. Mais ça va aller, donc si vous avez apprécié l'épisode, n'oubliez pas un petit pouce bleu, je vais réussir à parler, s'il vous plaît, voilà. Si vous avez apprécié l'épisode, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire, un petit partage aussi, ça fait plaisir aussi. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Et ce que je voulais vous dire aussi pendant l'épisode, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de Quantum Break demain. Tout simplement parce que c'est les vacances, vous le savez, hein, bien sûr, les vacances scolaires. Et j'ai mon petit neveu et ma petite nièce à garder pendant 2 jours. Et du coup, j'aurai peut-être pas le temps de faire mes vidéos, ou du moins, j'en ferai moins. Donc, je vais peut-être vous laisser votre choix pendant 2-3 jours. Et on reprendra peut-être samedi ou dimanche. Non, pas samedi, ça sera très certainement dimanche. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire votre choix. Et on reprend le let's play sur Quantum Break dimanche. Dimanche, ouais. Dimanche après-midi. Je l'espère. Voilà. Enfin, ouais. Ça va être chaud. On verra. Dimanche ou lundi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et la team la communauté PS4 que j'ai créée, donc la team Nours. On se retrouve très prochainement, on va dire, pour le prochain épisode de Quantum Break. À la prochaine. Salut. Bye bye.